Bonne arrivée, monsieur. Bon sang, monsieur. Bonne arrivée. D'accord. Bien, oui, monsieur. Comment tu vas Bien, monsieur. Donne-moi le sac et... Tu peux prendre ta soirée. Euh, merci, monsieur. Euh, monsieur, s'il vous plaît, euh, en ce qui concerne l'argent. D'accord, je te ferai un transfert. Okay. Merci, monsieur. D'accord. Je vous remercie. À demain. Merci, monsieur. Et toi, je ne comprends pas. Seulement pour ouvrir le portail, tu es incapable. Seulement pour pousser ce portail, tu en es incapable. Je me demande bien comment tu as eu ce job. Ça te regarde Je travaille pour toi Je te signale que tu m'as trouvé ici. Fais attention, je vais te battre comme un enfant. <laughs> tu vas me frapper Oui. <laughs> pas de souci, on verra ça plus tard. Allez, dégage, Allez, viens m'ouvrir ce portail que je, je Dégage, sors. pousse toi de là. Tu es incapable d'ouvrir le portail, mais tu es fort pour faire la gueule. Entre dans la voiture. Pardon, lève ce truc, je veux passer. C'est ce qu'on verra. Attends, attends idiot. Mmh. Viens là, toi. Ouais. Ah, 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 ah. Papa est sur le point d'aller travailler. Promets à papa de ne pas pleurer pendant son absence. J'ai besoin d'argent. Mmh. Pitié, fais pas la l'assaut d'oreille. J'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Est-ce pour toi une façon de dire bonjour à quelqu'un Y a-t-il une loi qui exige à la femme de dire bonjour à la première De combien as-tu besoin Seulement 100 000 naira. Bon sang, que veux-tu faire avec une telle somme Je t'ai donné 200 000 il y a tout juste deux jours. C'est exactement ce que j'irai chez toi. C'est quoi cette stupide question Tu n'arrêtes pas de me demander ce que je fais avec l'argent que tu me donnes. Je suis une femme et j'ai des besoins. Donne-moi mon téléphone. Bébé, tu dois me croire. Bébé, s'il te plaît, hein? un instant, hein? s'il te plaît. Dogo! Oui, c'est idiot. Dogo! Euh, madame! S'il te plaît, viens prendre ce bébé. Très bien, madame, j'arrive. Ok. <laughs> oui, bébé, oui. Tu as tout à fait raison, oui. Madame. Euh, ce... Désolée, madame. Prends-le. Allez, dégage ici. Bébé, tu me manques énormément. Tomber enceinte de ce... Zach était une grosse erreur que j'ai faite. Je suis vraiment désolée. Bébé, c'est pas grave, c'est bon. Ça va, tu sais. J'y ai, ai réfléchi plusieurs fois. Et je crois toujours qu'il y a un bon côté dans toute solution. Si ce n'était pas l'argent de Zach, comment allais-tu prendre soin de nous C'est d'accord, mon amour. Euh, S'il te plaît, parlons juste de nous. Oublions un peu ce Zach. Rien que son nom me rend malade. Bébé, s'il te plaît, je veux te voir. Chérie, c'est mon devoir de te rendre heureuse. C'est mon but, c'est une chose que je ferai toujours. Voyons-nous à l'endroit habituel. <laughs> oui, bébé. Oh, Alex, tu étais en train de dormir quand je suis entré. Ça, c'est une très grosse erreur pour une organisation qui cherche à décoller. Alex, pitié, épargne-moi d'une de tes multiples leçons de travail. Oh. Je ne suis vraiment pas d'humeur pour ça. Tu sais que je ne suis plus tout jeune. Oui, et c'est pourquoi je suis encore plus confus. T'es-tu mis à fréquenter des clubs? <laughs> <laughs> des boîtes. À mon âge, les boîtes sont faites pour des jeunes gens comme toi. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir encore le faire parce que, avec ça, je n'aurais pas à dormir sous le même toit que Sandra. Franchement. Attends, attends. Attends une minute. Voudrais-tu me dire que Sandra refusait d'accepter le fait qu'elle soit une femme mariée avec un enfant Honnêtement, j'ai fait. Tout ce qui était en mon pouvoir pour lui faire comprendre à quel point je l'aime, mais c'est. C'est inutile car elle ne cesse de me reprocher de n'avoir pas payé sa dot et donc on n'est pas marié. Mais n'est-ce pas elle qui t'a empêché à maintes reprises de ne pas payer sa dot sous prétexte qu'elle n'est pas prête Actuellement, je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, parce qu'il me semble que je sois le seul à essayer de garder la flamme de notre amour allumée. <laughs> Ça, c'est seulement si elle ne t'avait jamais aimé. Quelque chose me dit que elle est dans cette relation pour des raisons économiques. Hé, hey, Benny, comment tu vas Je vais bien. Mais dis-moi, tu décrocheras rarement ces jours. J'espère que tout va bien. Oh, je vais bien. C'est le travail. Tu sais comment c'est. Ok, c'est bon. Alors dis-moi, comment va ta femme et le bébé Ils vont bien. Oh. C'est gentil, merci. D'accord, c'est génial. Benny, <laughs> um... vraiment, je te remercie pour toute l'attention et l'amour que tu me portes et tout ça. On dirait vraiment que tu es ma sœur de sang. Tu me prends comme ton frère. C'est bon. Voyons. T'es comme mon frère aîné et je suis comme ta petite sœur. Mais je suis aussi ton amie. Et tu sais que je serai toujours là pour toi. Et toi, t'as toujours été là pour moi également. En passant, n'oublie pas que ce week-end, c'est mon anniversaire. Oh mon Dieu, mais c'est super ça mm -hmm. Mais là, j'ai une tonne de dossiers sur mon bureau, donc... Euh, et si on en parlait plus tard, qu'est-ce que t'en dis Pas de souci, je viens te voir tout de suite. Vraiment désolé mon amour, je ne voulais pas te faire attendre, ok Ouais, les bouchons, tu sais, mais je m'en suis tirée maintenant, ok Pardonne-moi, je ne suis pas... Très loin. Je ne voulais pas te faire attendre, vraiment désolé. Tu sais que je t'aime beaucoup. <laughs> ok, 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 okay d'accord. À tout à l'heure. Je t'aime. Attends une minute. Il se fait tard. En ce qui me concerne, on a encore toute la journée. Non. Non. Pas du tout. On avait l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble. Oui. Et j'adorais parler avec toi. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir maintenant. Tu es mariée. Oui. Et donc, je n'accepterai pas les nuits tardives. Tu dois rentrer. « Je choisis quand je rentre. »« Est-ce que tu te rends compte que c'est moi qui te retiens dans De ton bureau aujourd'hui »« Est-ce que je me suis plaint »« Allons-y, tu dois y aller, tu dois y aller. Ok <laughs> Alors, allons-y. Viens. <laughs> »« Bébé, t'es une bombe <laughs> !»« Ouais. »« Quel beau parleur t'es. Tu sais que tu m'as mis en Oh chérie, c'est normal. Écoute, c'est mon devoir mmh. de m'assurer que tu bien. Mmh. Mmh. Mais j'ai un problème. Lequel? Je ne passe pas vraiment assez de temps avec toi. Bah, écoute, c'est pas de ma faute. Tu as l'air le gosse de ce type, tu sais. Et je suis certain qu'il va te surprendre avec une demande à mariage, Bébé, je ne sais qu'à. Bébé. Ne dis pas ça. Oui. Je reconnais avoir fait l'erreur de tomber enceinte de ce con, mais je ne ferai pas la plus grosse erreur de ma vie en me casant avec lui. En tout cas, j'ai un plan. Ouais, Qu'est-ce que c'est euh, Je vais lui prendre un peu d'argent, puis je vais te le donner, et on se mariera. Ah, ah ça c'est mon bébé. Oh, Zed est de retour. Je meurs de faim. Puis-je avoir quelque chose à manger Bébé, c'est à toi que je parle. J'ai faim, moi aussi. Et je suis également fatiguée. Il n'y a pas de repas dans cette maison. Oh, bébé, t'étais à la maison toute la journée. Tu aurais au moins dû essayer de faire un repas. Prendre soin de ton enfant est un travail prenant. Ou... Oh veux tu que je l'ignore pour te faire à manger Je vais voir si je peux préparer un truc pour que nous mangions, ok Ton gardien et toi n'arrêtez pas de me surprendre. Tu prends ton enfant et tu le donnes au gardien de le porter Et s'il renverse ton bébé euh, Penny, s'il te plaît, oublie cette... idiot. Et parlons de quelque chose de plus important, là. Hmm. À te voir où c'est chaud. Hmm. Franchement, j'ai hâte d'en finir avec cette histoire d'allaitement afin de récupérer mes formes et mettre en bombe comme toi. Sandra, qu'est-ce que tu veux Meuf, qu'est-ce qui ne va pas Ah ah, t'as un enfant Zac. Zac est riche et un bon parti. Pourquoi ne veux-tu pas te poser Je suis sûre qu'il va t'épouser. Pourquoi ne te calmes-tu pas Si tu n'étais pas mon ami, j'aurais dit que la montée te renverse. Que Dieu ait pitié de toi. Tu connais le genre d'homme que j'aime. J'adore quand mon mec me cogne. J'aime pas tous ces légumes comme Zach. N'est-ce pas le rêve de toutes les femmes C'est le genre d'homme que toutes les femmes veulent. Une comme moi, si j'ai ce genre d'homme, j'allais quitter mon travail d'achat où il y a longtemps. Ah bah Meuf, tu dois te calmer, et je sais que c'est Clinton qui te trompe. Quand tu l'as rencontré pour la première fois, ne savais-tu pas qu'il n'était pas sauvage Tu voulais tirer ton pied, hein Mais tu t'es quand même entêtée et t'es tombée enceinte de lui. Alors, qu'est-ce qui t'a pris À cause de son argent. Je ne ressens rien pour ce mec. Je l'ai rencontré sur Facebook, oui, tu le sais. Mais probablement, les photos qu'il a mises sur Facebook ont peut-être été utilisées sur Photoshop. Parce que, lorsque je l'ai vu sur Facebook, j'ai cru que c'était un mec viril. Et quand on s'est vu de façon physique, meuf, c'était juste... Écoute, je vais te dire la vérité, t'es mon ami. Tu ferais mieux te calmer avec cet homme, Zach. Dis pas que je t'ai pas prévenu, Sandra. Je t'aurais prévenu. Oh, Zach, c'est quoi au juste? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Chérie, ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'amour depuis la dernière fois. Zach, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ça maintenant. D'ailleurs, tu connais le genre de corps que tu as. Et je ne suis pas prête pour une autre grossesse actuellement. D'accord. Dans ce cas, je mettrai une capote. C'est quoi ces conneries-là? Comme ça, vit, tu veux utiliser une capote sur moi Pourquoi faire J'ai l'air d'une prostituée à tes yeux. Monsieur, si tu n'arrives pas à contrôler ta libido, alors tu peux prendre la salle de bain. Tu réussiras peut-être à prendre ton pied. Ok. Désolée de t'avoir dérangé. Ah. S'il te plaît, je peux respirer maintenant. Me dérange pas, oh. Sandra, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que le médecin a recommandé six mois exclusifs d'allaitement au sein pour ce bébé. Zach, si c'est ton plan pour que ton fils me suce les seins afin de me rendre forme. Vous avez échoué. Tu étais là lorsque le médecin a dit qu'un allaitement exclusif au sein rendrait le bébé plus fort et plus intelligent. Et que ça rendrait son système immunitaire bien plus résistant. Zach, je ne suis vraiment pas d'humeur pour tout ce serment. Si je laisse cet enfant, tu te chargeras de le nourrir. Et je pèse chacun de mes mots. D'accord, tu fais comme tu veux. Qu'en est-il des 400 000 nairas que je t'ai demandé Je te ferai un transfert. Ah, Ferme-la. Monsieur Oui, Dogo, qu'est-ce qu'il y a Hum. Um... Écoute, 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 ton handicap ne t'enlève pas ton statut d'homme. Alors parle comme tel et cesse de faire le gamme. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur, j'ai besoin de 50 Naira. Dogo, quoi Donc c'est à cause de 50 Naira que tu viens dérager au gâteau le matin Dogo, je te paye un salaire. Pourquoi est-ce que tu me demandes 50 Naira Monsieur, vous m'avez promis de me donner à manger. Madame ne m'a rien donné. Madame ne te donne pas à manger Oui. Ok, pas de soucis. Euh. Prends ces mille nègres Merci, monsieur. Je réglerai ça à mon retour. Je suis trop contente pour ce nouvel appartement. Bébé, bébé, <laughs> t'imagines <laughs> pas comment je me sens. J'ai l'impression d'être <laughs> un roi, chérie. Tu vu le loyer, les murs, la peinture, <laughs> les meubles, chérie. Mais. Est-ce que t'as vu le lit, chérie Wow, bébé oh, oh. Tu sais, chérie, si on devait... Si on devait louer cette maison comme une chambre d'hôtel, ça aurait coûté 115 000. Bébé. Il n'y a plus de bébé. Allons dans un autre. Oh. Cachons-nous pour ne pas que cet idiot de Zach nous oh. voie. Il n'y a plus rien de tout ça. Écoutez, c'est si que on tout va se passer, chez On notre chérie, liberté hein. ici. <rire> oh. <rire> oh. <rire> désormais, ça sera nos stress, chérie. Bébé. Ah oh, ouais. Il est déjà 15 heures passées. Je me demande pourquoi le temps s'envole chaque fois que je passe du temps avec toi. S'il te plaît, je dois partir. Tu sais que j'ai laissé le bébé à la charge de mon idiot de gardien. S'il te plaît, ne fais pas cette tête, bébé. S'il te plaît. Ok, regarde. Est-ce que tu n'oublies pas quelque chose? <laughs> oh, ouais, bébé, c'est en quelque sorte de ta faute. Tu n'arrêtes pas de m'emmener au nightclub chaque fois que je passe du temps avec toi. Ok, t'inquiète. Je sais quoi faire. Ah, mon téléphone, s'il te plaît. Mmh. Rien à faire, laisse-moi tranquille. <laughs> tu veux bien me laisser? Mais bébé, je ne te laisse Vas -y, pas. Vas-y, allez, lâche-moi. Pas du tout. Pas du tout, t'inquiète. Euh, tu Je vois, parce que, parce main, que tu okay? t'as pas aujourd'hui, tu vas m'envoyer ce truc, allez, deux fois. Oui, ah. tu vas le faire, <laughs> tu vas le faire deux fois. Ah, sans aucun doute. Pas de souci, ok? Ah. Ok. Bébé, c'est fait. Je t'ai envoyé un million de Naira. Oh. Oui, c'est ce que j'ai pu obtenir de lui. Oh, Mais... oh non, <laughs> oh, je me sens comme une fille. je me sens comme une fille. Je me sens comme une fille. <laughs> Chérie, t'es sérieuse là Mais non, tu n'iras nulle part. Écoute, besoin de quelque chose. Allez, prends une position, Viens par là. Allez, viens par là. <laughs> là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu as l'air si pensif Je voudrais que tu m'aides à faire une introspection sur ma personnalité. Je, de... je te prie de m'excuser, Ce n'est pas du tout drôle. <rire> <rire> tu comptes rester là à te moquer de moi ou alors tu vas faire ce que je te demande? C'est bon, je m'excuse. Je suis toute oui. Je vais te poser quelques questions. Ok. Un. Est-ce que je suis aussi laid que ça, je veux dire, physiquement Deux. Est-ce que je suis une personne très ennuyeuse Et trois, est-ce que j'ai une odeur corporelle répugnante ou quelque chose du genre Qu'est-ce qu'il y a Tu commences à m'inquiéter là. Benny, s'il te plaît, réponds à mes questions. Ok. D'abord. Et un homme bien et agréable à regarder. Et tu es beau et tu as une grande personnalité. Tu as un grand cœur. Tu es le rêve de toutes les femmes raisonnables. Alors dis-moi, c'est quoi le problème oh, Entre Sandra et moi, les choses semblent ne plus fonctionner. Il n'y a rien que je puisse faire qui lui plaise. Mais votre relation semble parfaite sur les réseaux sociaux. Vous avez l'air de bien vous entendre. Et qu'est-ce qui ne va pas Avant qu'on ne puisse même la rencontrer, elle était déjà enceinte. Et en tant qu'ami, nous avons compris que c'est un amour qui vient du ciel. C'est également ce que je pensais, que notre amour venait du ciel. Mais j'ai bien peur d'avoir fait la plus grosse erreur de ma oh, vie. Oh, s'il te plaît. Il y a de la puissance dans la parole. Peut-être que tu n'as pas essayé de mieux la comprendre. Tu dois apprendre à la comprendre, lui dire des paroles douces, et lui offrir des des cadeaux, des fleurs, des cartes. Juste créer du temps pour vous détendre. Fais ça, et elle reviendra. Elle reviendra. Si c'est toi qui le dis. Je ne le dis pas, je le sais. Elle va le faire. Donc arrête de faire cette tête et relax, mon frère. Relax. Relax. Relax, s'il te plaît. <laughs> Bébé, c'est quoi le souci Tu fais une de ces têtes Bébé, je porte un très gros fardeau sur les épaules présentement. Mais je ne veux pas te déranger, car Shirei t'a as déjà assez fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas partager avec moi Ma mère va devoir se faire opérer. Et la prise en charge de cette, de cette opération va me coûter pratiquement 300 000, nairas. Et je ne sais même pas où trouver cet argent. Attends une minute. Donc tu veux dire que ma belle mère est malade Et tu ne t'es même pas gêné Mais de m'en parler Non, je ne voulais pas te déranger, Shirei. Écoute, je ne voulais pas te déranger avec ça. Je suis désolée. Ok, c'est bon. Je vais t'envoyer l'argent tout de suite et... Tu leur diras de lancer l'opération immédiatement parce que je ne veux pas qu'il arrive quelque chose sans hein, ma belle-mère. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi, chérie C'est fait. Je viens de t'envoyer l'argent. Bébé, tu m'as envoyé 350. Exactement. Au lieu de 300 000. Ah oh, mon dieu. C'est bon, c'est bon. C'est pas la peine de faire ça. Merci chérie. Ah bébé s'il te plaît. Je dois y aller maintenant. Hein? Le bébé doit avoir besoin de moi. Je vous remercie pour la journée. Voici les clés. D'accord. Merci monsieur. Je vous remercie monsieur. Bon boulot. Ozek, oh, tu es de retour. Oui, je suis de retour. Et j'ai une surprise pour toi. Et quelle est cette surprise? Il faut d'abord que tu fermes les yeux. <laughs> Voyons, Cesse de te voiler la face. Cesse de faire le gamin. Je ne suis plus une enfant et tu le sais ça. Quelle est la surprise Ou alors tu me laisses me concentrer sur ce que je faisais. Voilà. <laughs> C'est tout ce dont il s'agissait. Des fleurs. Merci en tout cas. Ton repas est sur la table à manger. Merci. Monsieur, voici les fleurs que vous avez commandées. Merci. Mmh, elles ont l'air très chères et très belles. Je te remercie. Je vous en prie, monsieur. Décroche, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Clinton? Pourquoi son numéro ne passe pas depuis ce matin? Décroche, s'il te plaît. J'espère que mon Clinton va bien. Pas encore. Dieu, s'il te plaît, protège mon Clinton. Ah. Écoute, mon amour, quand est-ce qu'on ira faire mon shopping d'anniversaire? Bien. De combien est-ce que tu as besoin? Mmh. Eh ben, disons 300 000 Naira. 300 000 Naira? Ben, bah, c'est rien, chérie. Ce sont sérieux, des miettes. Là. Écoute, des miettes. Tu me fais Qu'est-ce que tu sais veux? Ça? Ok, ok, ok. Euh, J'ai aussi besoin d'un iPhone 15 et... Euh... Ok, le iPhone 15. D'accord. Ouais. Et combien ça coûte Et si on allait dans la salle de bain, vu que t'as décidé de gâter ta meuf Attends, donne-moi une seconde, je regarde. Ce mec, il n'arrête pas de m'écrire... Il n'arrête pas de me demander du fric, et moi, je... et moi, je le lui vis Et quand... et quand je le fais, le mec, il m'en demande encore. Moi, je ne sais pas. Tu ou quelque chose comme ça Non, c'est juste... c'est juste une aide. Alors, t'es pas obligé. Je ne sais pas. T'es quelqu'un de bien, j'ai la chose nous n'avons plus avoir. de bière. Nous n'avons... nous n'avons plus de bière. Pourquoi n'irais-tu pas à réchauffer le bouillon dans le frigo et l'accompagner avec du bon vin Ok, tu sais que je suis capable de tout pour toi. Ah oui, bébé. Content, bébé. Mmh. <laughs> ok, je reviens. <laughs> D'accord, chérie. Je vais réchauffer la soupe. Et surtout, n'oublie pas l'argent du shopping de mon anniversaire. Combien Ouais, je sais que Combien as Mais de combien toi. tu parles <laughs> C'est rien. Écoute, c'est rien, chérie. C'est... Bébé. Bébé Chérie Tu allô. Hey bébé. Comment tu vas? Le réseau est mauvais. Bébé, je n'arrive pas à t'entendre. Je suis allô, Locodia. Locodia Je te rappelle plus. Je te rappelle plus. Ok. D'accord. Je te rappelle plus tard. Je te rappelle plus tard. Je te rappelle plus tard. Chérie? <laughs> En tout cas. Penny, tu ne le croiras pas. Sais-tu que cet imbécile est rentré hier avec un stupide bouquet de fleurs Je m'en suis débarrassée. Avant de le réaliser, <laughs> ce matin, à la première heure, j'ai balancé les conneries à la poubelle. Meuf, mais pourquoi, hein ne vois-tu pas à quel point cet homme essaie désespérément de gagner ton amour Pourquoi tu le traites de la sorte D'accord, j'admets le fait qu'il n'est pas ton genre de mec, mais voyons, meuf Mais qu'est-ce que tu me racontes là J'ai rien à foutre de sec. Tu sais que je suis juste là pour son fric. Il s'excuse même quand c'est moi qui ai tort. Quel genre d'homme c'est ça Non, 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 s'il te plaît. Je ne veux pas ce genre d'homme dans ma vie. Tu le sais. Zach n'est qu'un livre ouvert. Ah, ça signifie juste que... qu'il est le genre d'homme merveilleux qui finit avec ton genre de femme. Voyons qui part. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, Fiti, lâche-moi les baskets. Dis pas que je t'ai pas prévenu. jirai je te jure, je suis désolé. Je suis désolé, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé dans cette aventure. Je n'arrive toujours pas à y croire que j'ai atterri dans mon village. Ah Loin au fond, chérie, comment ils font pour construire, pour construire là-bas Loin au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. On a pris une moto pendant environ trois heures. Mmh. Je ne plaisante pas. Trois heures, une mauvaise route. Ah ah Pas d'eau, pas de route, pas pas de lumière, pas de. Ah ah ah, ah. Du calme, c'est juste que j'étais très inquiète dans ton absence. J'ai appelé ton numéro à maintes reprises, mais c'était toujours en vain. Ça n'arrêtait pas de me renvoyer à la messagerie. Vocale. Bébé, écoute, il, il n'y avait pas de réseau. Et je me demande comment les gens arrivent à vivre dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Pas de bonne route, pas d'eau, pas d'électricité. Ah Tout, tout ce qu'ils ont là-bas, c'est de l'air fraîche. Je me disais que. que peut-être. quelque chose s'est arrivé, mais que Dieu m'en garde. Dieu merci, tu vas bien. Mmh. C'est rien. Alors, comment va, maman elle va bien, elle va bien. L'opération, l'opération s'est bien passée. En fait, je ne comprends pas comment un hôpital peut être aussi cher dans un tel environnement. Tu sais, les 350 000 Naira que, que tu m'as donné, je veux dire 300 000 Naira que tu m'as donné pour les frais d'hôpital et, et les 50 000 pour le transport. Sais-tu que j'ai fini par y compléter 40 000 Sans 000. que tu ne plaisantes pas, il me demande encore 200 000 Naira. Je t'assure, parfois, quand je regarde cette vie, je suis fatiguée, je ne sais pas. Mais où vais-je trouver une telle bébé, somme d'argent C'est bon, voyons. C'est bon, t'as pas besoin de pleurer. Je, je vais te sais donner l'argent. Comment chance, je okay. sérieuse. Oui, ce n'est pas un problème. Je te donnerai l'argent, ok Je t'aime, chérie. T'as pas besoin de faire ça. Comment pourrais-je rester les bras croisés quand ma belle-mère est malade Sérieux je t'aime. Et que tu t'aimes tellement. Je t'aime aussi, bébé. Je ne sais pas comment te remercier pour, pour tout ce que tu fais pour moi. C'est bon. Ouais, Sandra. Mais elle est sortie. Elle a dit qu'elle avait des courses à faire, mais ça fait déjà sept heures de temps. Honnêtement, je me demande trop est-ce que j'ai merdé. J'ai suivi ton conseil. J'ai parlé à Benita. Et oui, elle m'a dit quelques trucs. Tu sais, j'ai donc suivi ses conseils et je suis allé lui acheter des fleurs. Et je les ai offertes à Sandra. <laughs> si tu avais vu la manière dont elle a reçu ces fleurs, il y avait tellement de mépris. Malgré tout, elle a accepté de les prendre et les a balancées sur le siège où tu es assis. Ouais. Hum. Mais ce matin, j'ai revu ce bouquet de fleurs dans la poubelle. Quoi Je pense que Sandra a un problème spirituel. Écoute, cette fois-ci, tu dois voir un pasteur. Tu dois voir un homme de Dieu. Ah. Honnêtement, Alex, j'ai bien peur de ne pas savoir dans quoi je me suis fourré. Hum. Je ne sais pas. Mmh, bébé. Mmh. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Ok. J'ai demandé à Zach de me donner une grosse somme d'argent pour faire quelque chose. Mais on sait tous les deux qu'on l'utilisera pour tes projets à toi. <laughs> wow. Merci. Je t'aime tellement, tu sais. <laughs> oh, merci, mon cœur. Bien. <laughs> ok. Deuxièmement, bébé. Je t'écoute. J'aimerais Je Je... qu'on vive chez moi. Comment ça? Je sais, bien sûr. T'es Cyrus, la chérie? Oui, bébé. Pour de vrai, t'es sérieuse. Oh, bébé, oui. Pourquoi tu me regardes Pourquoi tu me regardes comme ça Mais comment ne le ferais-je pas Mais attends, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Bébé, tu sais que j'allais encore mon bébé. Et à chaque fois, je dois le laisser avec mon gardien, cet demi-homme, pour venir te voir. Hmm alors, que, que voudrais-tu que je fasse Genre, Tu voudrais que je. Tu te souviens que tu vis sous le même toit que Jacques Et tu voudrais que je vienne là-bas Mais non, chérie, c'est une blague. C'est une blague, ah. ça Bébé, c'est pas une blague, je suis sérieuse. Bébé, essaieras-tu de me prendre au piège Bébé, pourquoi dis-tu cela Parce que ça a l'air. Ça a tout à fait l'air d'être ça, chérie. Bébé, je n'aime pas du tout ta façon de parler. Comment pourrais-je te piéger Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te nuire. Désolé. <coughs> désolé. Désolé, chérie. Désolé si va. je t'ai blessé, chérie. Ça Écoute, je suis désolé. Je suis désolée. Je suis désolé. Ça va. Et tu sais que je ne ferai jamais rien pour ah, toi. Je sais, je suis désolée. Alors, c'est un oui. Mais chérie, quand sera-t-il des voisins, des employés de la maison? Tout ça, chérie. Hum. Écoute, chérie, tous ces gens-là, hein? Tu sais, moi je ne veux pas d'ennui. Ok. Moi, je ne veux pas d'ennuis, bon. chérie. Ne te dérange pas pour ça, ok? Pour ce qui est des voisins, nous n'avons pas de voisins dans le coin. Et. Et en ce qui concerne les domestiques, nous n'avons que deux employés à la maison. Le premier est un de ces camps, notre soi-disant gardien. Et le deuxième employé, c'est le chauffeur, un gars quelconque. Ah, Simon, c'est le chauffeur. De Zach, mais j'ai passé l'ordre de ne pas le laisser rester chez nous. Donc, il vient le matin et part après le boulot. Donc, tu n'as pas de quoi t'en faire, bébé. Ok. T'as plus confiance en moi Je gère, bébé. Ok, ok. Ok, très bien. Je... je ne sais pas. J'essayerai de venir. Écoute, j'essayerai de venir. Bah, tu sais, j'essaierai de venir. Écoute-moi, je ne suis pas... En tout cas, ne t'inquiète pas. Hein? J'essaierai, écoute. Ok, d'accord. Tu n'as pas à t'en faire, ok. Je gère. Mm? Écoute, Thierry, mais c'est bizarre. Moi, écoute, Thierry, moi, moi, je ne veux pas d'ennuis. Je viendrai juste à cause de toi. Hein? Merci, frère Zach. Que l'Éternel accorde miséricorde à vous et à votre famille. Merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur. Écoutez, Frère Zach, vous savez rien n'est impossible à Dieu. Merci, Pasteur. Dieu vous bénisse. Vous aussi. Hé, hey, je hein? là. après vous vous croyez chez votre père ici Vous entrez comme si vous étiez chez vous. Ah, ah désolé, désolé monsieur, mais, mais moi je ne vous ai pas vu. Désolé monsieur, hein? D -d Désolé monsieur. Ah, bébé, attendez ça. J'arrive. D'accord Qu'est-ce vous Écoutez monsieur, monsieur, monsieur je, je suis électricien monsieur. L'électricien euh, Oui, euh, l'électricien euh, Oui, oui, monsieur. Les électriciens ne s'habillent pas comme ça. Non, monsieur, écoutez, je, ah, je viens de. D'ailleurs D'ailleurs Monsieur, en fait, je viens de. D'ailleurs Monsieur, ah, d'ailleurs Pourquoi que je. D'ailleurs Dego Madame, oui, madame Ça ne va pas là Désolé, madame N'étais-je pas dit que l'électricien allait passer si, si jamais je descends là-bas, t'auras affaire à moi. Allez, dépêche, fais-le vite monter Espèce d'idiot Désolé, madame Bien, monsieur! C'est quoi ton problème? Bébé, je t'en supplie. Ça fait déjà quatre mois depuis la dernière fois que je t'ai touché. Et puis quoi? Pitié, lâche-moi, fous-moi la paix. Hein? Ne vois-tu pas que j'allais encore? Bébé, mon corps est en feu. Laisse-moi juste te toucher, je te promets que ce sera bien cette fois. Zach, c'est un gros non! Mais fous-moi la paix! Qu'est-ce qu'il y a Où veux-tu abuser de moi Pas du tout, pas du tout. Alors tu dois me foutre la paix. C'est pas ce que tu es censé faire à cette heure de la journée. Pitié, lâche-moi. Gudge, <laughs> godge, godge, godge. Wow. Vous êtes incroyable. Écoutez, madame, le travail vous a plu. Ah, vous avez été génial. <laughs> vous avez tellement bien fait votre job. <laughs> oui, euh, vous savez, vous savez. Le fait, le fait est que... Euh, il, il me faudra encore un peu de temps. Là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez votre temps et ah. assurez-vous de passer demain pour régler l'autre compte. Ah. <laughs> merci Madame, merci, merci Madame. D'accord. Madame, vous savez, plus j'arrange des trucs, plus la facture sera énorme. Monsieur l'électricien, ne vous en faites surtout pas. Ok. <laughs> merci. Ne madame. vous inquiétez pas. Merci. Faites votre boulot, ok. Merci Madame. Monsieur, votre brigade est ouverte. Hey, hein Va-tu fermer ta sale gueule En quoi cela te regarde Écoute. Ton travail, c'est la porte. Les braquets des gens, c'est pas ton problème. Désolée, madame. <laughs> Désolée, madame. Faites pas attention à lui. Écoutez, <laughs> il m'arrive souvent. Il m'arrive souvent d'aller. Pas besoin de s'expliquer, ok? Je le sais. Alors à demain. Merci, hein. madame. <laughs> Dego! Oui, madame! S'il te plaît, amène-moi le bébé en haut. D'accord, madame. Dépêche-toi! C'est compris, madame! Aïe! Allez, hum. hum. allez, bébé, viens, viens, viens. Ta mère veut te voir, allez, viens en monde. Oui, pasteur. Je veux que vous restiez en prière. D'accord, pasteur. Quel que soit le problème, vous savez, avec le temps, les choses rentreront dans l'ordre. Merci, pasteur. Deuxièmement, vous devez vous engager à l'épouser aussitôt qu'elle vous dit oui. Je l'aurais fait il y a longtemps déjà si seulement elle l'avait voulu. Vous savez, c'est le diable qui menace votre foyer. Restez toujours en prière et jeûnez. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, honnêtement ce que madame fait, je dois le dire au patron, ce n'est pas ce n'est pas juste. Peut-elle faire venir les datriciens ici et, et faire leur cochonnerie Hey, Dogo, ferme ta bouche. Si j'en parle au patron et que le patron me chasse, j'aime mon travail. Mmh, je ne dirai rien au patron, Dogo. Sois sage. Et si je, si je ne le dis pas au patron, hey, c'est un homme bien. Ce n'est pas le souci. Kai, je dois le dire au patron. Dogo C'est. Pourquoi as-tu l'air si tendu N'as-tu pas mangé Si, monsieur, j'ai mangé. J'aimerais vous dire quelque chose, hein Hey C'est. Hey C'est. Qu Qu'est-ce que c'est Parle C'est. Um, j'ai oublié. C'est. Hey est-ce que tu prends de la drogue Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur. T'en es sûr Oui, monsieur. J'ai complètement oublié. Ok, retourne à ce que tu sais. Chérie, comment ça se passe avec ton nouveau business C'est à toi que je parle, bébé. Zach, le problème avec toi, c'est que tu choisis toujours le mauvais moment pour poser la bonne question. Ne vois-tu pas que je suis occupée Mais t'es juste en train de manipuler ton téléphone. Je vois que tu veux gâcher mon humeur ce soir. Ça va. Les affaires vont merveilleusement bien. Je peux avoir ma paix maintenant. Je vais dormir. S'il te plaît, n'oublie. Pas de lui donner un biberon avant de dormir. Bonne nuit. Ah, c'est bon. Ah, ah c'est bon. Ah. ah, bébé. Ah, chérie. Ah, ah. ah c'est bon, chérie. Ah. 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 Ah, oh, bébé. Ah, ah, chérie. Oh. Ah, oh. Ah, tu vois pourquoi je t'aime, chérie. Oh, vraiment? Oh. Tu peux le dire. Oh. Alors, ah, oh. dis-moi, comment oh, chérie. Que tu te sens? Oh, bébé, t'as failli arrêter mm -hmm. mon cœur. Oh, C'est pourquoi je ne te quitterai jamais. <laughs> Allez, voyons, comment puis-je oh. faire ça, mon cœur? Oh. C'est pour cette raison que je ne te quitterai jamais. Mm -hmm. Je ne pourrai jamais te quitter. Oh. oh chérie, tu sais prendre soin de moi. Des dents. Des Partout. Mm -hmm. J'adore ce que tu me fais. J'adore ouais. <laughs> <laughs> ça. Bon, oh, ce... ah. oh. ah. Dis-moi chérie, que penses-tu des gens qui passent leur temps à voyager hors du Nigeria euh... Je ne sais pas trop, tu sais. Je n'ai jamais quitté le Nigeria. <laughs> ah ouais, je vois de quoi tu partirais. Je vois vois. Exactement. Chiré. Tu oh. peux encore le redire. Et si je te disais que la raison pour. La raison pour laquelle je te demandais de préparer ton passeport, c'est parce qu'on va s'en aller de ce pays durant ah. deux mois. Attends, c'est une blague C'est une blague Non. Attends, c'est une blague Je te dis que non, Attends, ce que tu dis, c'est que... Écoute, en qui tu pètes, c'est drôle. Oh, mon Dieu ah, Oh, mon Dieu, que mon amour Mon amour, ah. bon amour. <rire> 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 Je t'aime. <laughs> 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 Meuf, s'il te plaît. Penny, ça oh n'a rien de drôle. Vraiment Meuf, cet homme commence vraiment à me taper sur les nerfs. Comment il ose me demander la localisation de mon salon Meuf, j'en ai marre. Sandra, écoute, au fait qu'il veuille savoir où se trouve ton entreprise, meuf, sois raisonnable, ma chérie. Zat a donné la somme énorme de 8 millions de Naira pour ouvrir ce business et c'est normal qu'il cherche à et savoir. ferme la peignée Il m'a donné la somme de 8 millions de Naira. Alors je devrais me jeter dans l'océan. Que tu des hommes qui dépensent des centaines de millions Et juste pour financer les voyages de leurs copines à l'étranger Elles ne sont pas mortes. Pardon. Sandra, si t'es tu... vraiment étrange. Vraiment, tu l'es. Je sais pas ce que tu veux au juste. Parce que Zach est tout ce dont une femme a besoin actuellement. Zach est riche, bel homme. Qu'est-ce que tu recherches, non, un meuf Pourquoi ne peux-tu pas te poser avec ce mec Pose-toi avec lui. Ok, très bien. Essaie-tu de me dire que tu ne veux pas lancer un business Tu ne veux pas lancer un business ou quoi <laughs> Non, non, ne réparez pas moi. Meuf, on dirait que jusqu'ici, tu ne me connais pas. C'est un gros nom. Je mmh. ne vais ouvrir aucun fichu salon. Rien. J'ai utilisé cela comme ruse pour lui soutirer de l'argent. Ouais, sais comment ça, va ça marche. Que terrible. Que Dieu ait vraiment pitié de toi. Sandra, dis pas que je t'ai pas prévenue. Ne dis pas que je t'ai pas prévenue parce que je te parle comme une amie. Dis pas que je t'avais pas prévenu. En tout cas, c'est ta vie, ma puce. T'es libre de la mener comme tu veux, mais ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Oui. Sois sage. Cet homme, c'est un gros poisson. C'est bon. Souviens-toi d'où tu viens et c'est ton choix. En tout cas, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. J'ai quelqu'un à voir ce soir. Oh. Oh, je comprends pourquoi tu es habillée comme ça. Bah ben oui, à ton avis. je me demandais pourquoi mon ami a fait autant d'efforts. Euh, je dois me mettre dans les dispositions, ma chère. Le temps que Dieu me donne, l'homme qu'il me faut, l'homme qu'il faudra dans ma vie. Mais en attendant, j'irai ce soir et peut-être, qui sait, mmh. je pourrai rentrer avec mmh. un bon paquet de fric. <laughs> Bébé, bébé c'est le meilleur. Oh. 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 Bonjour. Monsieur. Bonjour, comment ça va? J'aimerais vous dire quelque chose. J'espère que c'est quelque chose d'important, Togo. Oui. Que ce n'est plus pour me demander 5 ans d'Aira. monsieur. Il y a. Il y a un homme qui a l'habitude de venir ici. Il prétend être électricien. Mais il n'avait aucun matériel à la main. Il est entré dans la chambre avec euh, madame. Après, j'ai entendu. Ha! 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 Ah, ah. J'ai dit. Ah, Qui faisait... Oui. Oh, 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 oh. C'est madame. Tu parles de madame la bosse. Oui, j'ai entendu la voix de la patronne. Ah, monsieur. Vous êtes un homme bon. Vous êtes un homme très gentil. C'est pourquoi je vous le dis. C'est vrai, vous êtes un homme bien. Écoutez, si seulement je Ça suffit, c'est bon. Euh, okay, un... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Bébé, bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. Tu sais, sortir de la phase post-natale et, et tout ça, l'électricien a juste profité de moi. Ah, bébé, tu peux me croire, ce n'était pas intentionnel. J'ignorais que l'électricien était un violeur. Il a profité de moi, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Zack, s'il te plaît, tu, tu dois me parler. Zach, je t'en prie. Tu sais que je t'aime, s'il te plaît. J'ai faim. Va me chercher quelque chose à manger. Hein? Tu peux faire ça au moins. J'ai dit que j'avais faim. Trouve-moi quelque chose à manger. Euh, Zach, tu. Tu me demandes de trouver de quoi manger? S'il te plaît, Zach. Où se trouve le bol de crevettes? Hein? C'est. Euh, euh, près du plainteur. Oui. Bébé, j'ai vu une opportunité et j'en ai profité. Et en plus, je l'ai également fait quand j'ai vu que Zach allait, il allait m'attaquer. Mais j'imagine qu'il t'a sûrement. qu'il t'a sûrement mis hors de sa maison. Non, Sac n'a pas fait. Mais c'est incroyable. Bébé, cet homme doit être en train de préparer quelque chose. Écoute, il faut surveiller tes arrières. Ça, tu peux lui dire. J'ai tellement peur. J'ai peur pour ma Écoute, vie. Écoute, chérie, calme-toi. Écoute, tout ira bien. Hey. Qui avons-nous là ah. <laughs> Tu veux que je te porte ah. Ah. Bébé, tu es de retour. Oui, je suis de retour. Bienvenue. Merci. Comment était la journée Bien. Es-tu en train de cuisiner Oui, bébé. Oh, c'est bien, parce que j'ai faim. J'apporte les plats. D'accord. Merci. Mmh. Écoutez, les gars, je ne pense pas que tout ceci soit nécessaire. Oui, je n'ai jamais essayé de lui rendre la vie impossible. Vous pouvez lui demander. Pitié, aidez-moi à supplier votre ami. Zach, tu dois me pardonner. Je veux la preuve que tu m'as pardonné. C'est bon, Sandra, c'est bon. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'elle t'a offensé, mais s'il te plaît, pardonne-lui, s'il te plaît. Zach, s'il te plaît. Oh. Euh, euh, Zach, je peux me mettre à genoux aussi. Non, Benita, s'il si te peut plaît. Je vais te faire changer d'avis, je le ferai de tout. Benita, s'il te plaît, arrête. T'en prie, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardonne-lui, s'il te plaît. C'est grâce à cet incident que j'ai pu grandir. C'est pour ça que nous vivons encore en paix. Je pris. Zach, te prie. S'il te, te plaît, plaît s'il te plaît. Mmh. <laughs> Ma puce, j'essaie de t'appeler depuis un moment. C'est quoi en fait C'est comment um, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe Où en es-tu avec le cas de Zach? Qu'est-ce qu'il a fait Aucune réaction. Tu sais, il est devenu plus attentionné, hein? Hé hey, vraiment? Meuf, j'ignore ce qui se passe. J'ai le cœur qui bat si vite. Que fais-tu encore dans cette maison? Prends tes choses et sors de cette maison. Et en plus, c'est pas comme si tu aimais cet homme, tu ne l'aimes pas. alors, que fais-tu encore là-bas? Je ah, me... d'argent. »« Tu lui en as assez pris. Je ne sais pas ce que tu fais encore là-bas. Prends tes affaires et va rejoindre ton soi-disant Clinton ou je ne sais quoi. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Et je dois le faire vite, avant que quelqu'un ne m'étrangle une nuit. Euh, mais il y a un problème. Qu'en est-il de ton enfant Est-ce que ton Clinton va-t-il accepter ton enfant <laughs> Toi aussi, tu parles comme si tu m'ignores. Je vais lui laisser son enfant. Il va s'occuper de son fils. J'y vais toute seule. Eh, prends ça. Prends ce sac. Ah. J'ai dit porte le sac. Oui, ramasse-les. Arrête d'abord ce bébé. Porte le bébé. Assure-toi de bien le porter. Yo. Ne le jette pas par terre. Compris? Tiens, quand ton patron revient du boulot, tu lui remets ça. Ah, madame, et où est-ce que vous allez? C'est quoi cette question stupide? Tu n'as pas à savoir où je m'en vais. Assure-toi de donner cette lettre à ton patron. Et pour ce bébé, assure-toi de bien le nourrir. -o. Nourris très bien ce bébé. Là-dedans, il y a à manger pour les bébés. Ah, madame, que se passe-t-il? Où est-ce que vous allez? Si je. Tu veux que je te cogne? Dogo, pourquoi est-ce que tu m'appelles alors que je suis occupé pour me raconter des conneries? Madame est partie. Hein? Elle est partie avec ses affaires. Elle m'a laissé avec l'enfant. Et il pète beaucoup. Tu veux dire que ma femme a fait ses bagages et qu'elle est partie de la maison te laissant avec le bébé? Uh-huh. D'accord. Prends bien soin de mon bébé. J'arrive bientôt. Je me mets en route tout de suite. D'accord? D'accord, monsieur. Monsieur, quel est le problème? Non, tout va bien. Fais voir. Là. Mmh, 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 mmh. 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 T'as encore une fois fait popo dans ta couche, jeune homme. Hein mmh? Allez, viens, viens. Viens là. Faut vraiment que t'aies pitié de ton père, hein Et pitié de moi. Ta mère nous a laissés. Et là, y'a a plus que toi et moi, juste toi et moi. Tu ne peux plus passer ton temps à faire ce genre de choses. Hum. Hum. Hmm. Ah. Hmm. Ok, ok, d'accord, je te porte. Ah. Ah. Pourquoi est-ce que c'est toujours différent pour moi J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour que Sandra soit heureuse dans cette relation, mais qui sait, peut-être qu'on aurait pu se marier, mais tout ça n'a servi à rien. Je l'ai trouvée toute nue avec un autre homme. Malgré tout, j'ai quand même supporté pour que cette relation fonctionne. J'ai fait la cuisine, j'ai fait la lessive, j'ai nettoyé toute cette maison sans me plaindre. Qu'aurais-je pu faire d'autre que je n'ai pas fait Lorsqu'on discutait sur Facebook, j'aurais pu jurer qu'on était amoureux. Et puis après, on s'est enfin rencontrés. L'amour est devenu un sens unique. Elle passait le temps à se plaindre. Que je ne m'intéresse pas à ce qui la concerne. Je veux dire, qu qu'est-ce qu que ça a à voir avec tout ça Je ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu d'un foyer brisé pour mon enfant. Sandra a tout fait pour que ce soit le cas. Après toutes ces prières et ces jeûnes, Sandra a eu le courage d'abandonner ce bébé adorable. La chair de sa chair. C'est pas grave. Dieu lui-même jugera cette affaire. D'accord. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, je pense que vous devez songer à engager une nounou pour prendre soin du bébé. C'est vrai que ça m'a pris de court. Mais tu sais, ça reste ma responsabilité, ma croix. Je dois la porter. Et apparemment, le bébé se sent bien avec moi. Donc, pas besoin de nounou. Allons-y. Ok, monsieur. Merci. Entrez. Puis-je vous aider Non, c'est bon, t'en fais pas. Êtes-vous sûr oh, Dis-moi ce qu'on a. Ok, monsieur. Voici la nouvelle pochette qui est arrivée. Je viens la soumettre à votre appréciation. Ok. Ici. Là, c'est la deuxième version. C'est d'accord. C'est bon. Vous êtes sûr de ne pas faire Non, ça que... va, t'en fais pas. C'est ce que tu as à faire. Ok, hein. bien. T'as faim, toi <laughs> Depuis combien de temps vis-tu cette situation Deux semaines. Non. Ça fait deux semaines déjà. Et tu n'as même pas pensé à informer qui que ce soit. Même moi ou Benita. Eh bien, j'ai décidé de porter ma croix pour une fois. Du moins. Je n'ai pas voulu vous déranger tous les deux. Vous avez vos propres problèmes à gérer. Non, Zach. Ne sois pas stupide. Nous parlons de toi. Ne t'inquiète pas, ok? Je gère déjà la situation. À l'instant où je vais quitter ce bureau, j'irai voir, j'irai voir Benita. En fait, nous allons venir chez toi. Nous devons nous asseoir et tirer les choses au clair. C'est inacceptable. À quoi servent les amis Si ton ami ne peut pas te venir honnête quand tu es dans les problèmes, alors où est l'intérêt En fait, je suis largué là. Ça fait deux semaines que tu es avec ce bébé sans les soins de sa mère. Ah. Mais pourquoi? Ce bébé est très délicat pour rester loin de sa mère. Ah! Tu aurais dû m'appeler. Comment est-ce possible? Je suis désolé. Je vous demande de me pardonner. J'étais confus et frustré en même temps. En fait, je n'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Tout ce que je peux voir, c'est que tu racontes des conneries. Tu vas avec cet enfant dans ton bureau tous les jours. Mais tu as ton travail et tes enfants. Oui, je le sais. Mon entreprise est une société privée. C'est la mienne. Ça signifie que je peux faire du babysitting. Alors tu aurais dû m'appeler pour que je t'aide. Je m'en excuse. Je vous remercie pour votre sollicitude. Ok? Et promets que tu ne feras plus jamais ça. C'est promis. Tu appelleras quand tu seras coincé. Promis. Toujours. Alors dis-moi, et comment tu gères tout ça? L'enfant? J'essaie simplement de faire au mieux malgré la situation. Je suis vraiment désolée. bébé tu ne m'as toujours pas parlé de la nuit dernière tu sais j'irai l'un de mes plus premiers devoirs ah oui c'est de m'assurer que ma meuf soit satisfaite mais surtout qu'elle aime ça oh bébé j'allais oublier tu ne m'as pas envoyé les 3 millions de naira que tu m'avais promis bébé il faut que j'aille payer pour l'emplacement et je pourrais mettre sur pied mon salon de coiffure ah ok tout bien réfléchir. Je ne pense pas que je veux que tu travailles. Ouais, je ne veux pas que tu, que tu travailles, je ne veux pas que tu... Euh, euh, que, que, tu sois, que tu sois à la merci de tous ces hommes-là dehors. Je pensais qu'on... qu'on avait déjà parlé de tout ça. Alors, pourquoi continues-tu de dire que je ne veux pas que je travaille De plus, je t'ai remis tout l'argent que j'ai soutiré à Zack. J'ai tout envoyé dans ton compte. Et là, je te demande juste 3 millions de naira pour mettre sur pied mon affaire. Ah, ok, ok, euh... ok, ok. Je t'enverrai l'argent. Ça te va Merci, chérie. Allez, chérie, souris. je ne trouve pas cette histoire amusante. Ah. Hum. Écoute, Sandra, c'est en partie de ta faute. Meuf, comment as-tu pu tout lui remettre, l'argent que t'as eu à prendre chez Zack Ah bah, hum, je sais que tu l'aimes, mais je n'ai jamais senti ce mec de Clinton. Mais ma puce, t'es plus rusée que ça, t'étais pas supposée tout lui donner. Ma puce n'a pas besoin d'être aussi dur avec moi. Oui, j'accepte que j'ai merdé. Hmm. Mais s'il te plaît, que puis-je faire pour me sortir de cette situation Sais-tu que Clinton a catégoriquement refusé de me donner 3 millions de naira de mon propre argent hmm. C'est juste que je ne comprends pas ce garrot. Honnêtement, je ne sens pas cette affaire. Je ne la sens pas du tout. Tu dois lui mettre la pression. Il le faut vraiment. Juste au cas où quelque chose arrive. Au cas où quoi Sandra. T'es mon ami, ma chérie. Ça fait des années qu'on se connaît. On est dans la rue ensemble, je dois te dire la vérité. Juste au cas où Clinton... Il pourrait avoir une autre femme là-dehors. Hé, hey, Penny, s'il te plaît, tais-toi Mon Clinton ne peut jamais faire ce genre de choses. Ah. non Fini, tu sais que j'ai sacrifié tout pour Clinton. Mm -hmm. Oh, Fini, s'il te plaît, non. Tu ne peux pas me faire avaler ça, alors s'il te plaît, n'y pense ça, même pas. Ça, c'est mon problème avec toi. Ça, c'est le problème que j'ai avec toi. T'as encore rien compris. Clinton ne peut jamais me faire ça. De toute façon, c'est ton choix. Tu peux, va de l'avant. Tu peux. <laughs> T'as tout sacrifié pour Clinton. Qui suis-je même pour parler? Ma bouche, si elle parle trop, pénis tu parles trop. Ferme ta bouche et mêle-toi tes oignons. Alex, tu m'as mis devant un dilemme. La graine que tu as semée dans mon cœur a germé. Je suis tombé amoureux de Penita. Je ne cesse de penser à elle. Et je ne sais vraiment pas comment lui dire ce que je ressens pour elle. Actuellement, c'est le moment rêvé pour toi de lui acheter des cadeaux spéciaux tels que des fleurs, des parfums. Écoute, essaie de me comprendre. Benita et moi avons entretenu une relation platonique pendant si longtemps que j'ai honte de lui dire, tu sais, quoi que ce soit de romantique ou de sexuel ce que je ressens pour elle. Écoute, ces cadeaux lui enverront des messages. Ça ne lui prendra pas beaucoup de temps pour comprendre. Et le reste se fera tout seul. Comme c'est mignon. J'adore. Ok. Je n'aime pas penser à ça. Je n'aime pas me souvenir de ce qui s'est passé. Parce que ça me rappelle toutes ces années de vie que j'ai perdues. Durant lesquelles... Ma femme et mes deux enfants... Ils étaient mon monde. Nous étions censés aller en vacances et ils y sont allés avant moi. Je devais les rejoindre plus tard. Malheureusement, il y a eu un crash d'avion. Et tous ceux qui étaient à bord, y compris le pilote et son équipage, personne n'a survécu. C'était... C'était une tragédie qui a choqué toute la nation. Et... Euh, les médias et les autorités n'ont cessé de... dénoncer un problème de sécurité dans l'avion. <laughs> que puis-je dire Mes enfants n'avaient que 17 et 18 ans. J'ai dû tout recommencer. À mon âge. Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Désolée pour cette perte, les douleurs, les années. Je, je ne sais pas ce que tu ressens, mais il n'y a rien dans ce monde qui ne soit pas assez pour toi. Pour que tu veuilles te suicider. Crois-moi. Et, et si je n'avais pas été là Et si je n'avais pas été là S'il te plaît. Tu peux toujours te remarier, avoir des enfants et refaire ta vie. Et à ton âge, il ne se fait pas tard. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Promets-moi que tu ne le referas plus jamais. Que ça ne te passe plus par la tête. Si tu as besoin de quelqu'un avec qui parler, avec qui partager tes peines, s'il te plaît, appelle-moi. Juste un seul coup de fil, s'il te plaît. Je serai là pour toi. Et comme ta petite sœur, une amie, peu importe ce que tu veux, Et si tu as besoin d'aide, juste appelle-moi. Et je te promets, je serai là. S'il te plaît. Tout va s'arranger. Et je suis sûre que tu retrouveras. La joie d'entendre tous les jours. Je comprends maintenant pourquoi tous ces comportements bizarres à mon égard. Et si Zach veut profiter de moi, mais je lui fais confiance et il m'a promis que tous les hommes n'étaient pas pareils. Zach veut coucher avec moi, sa meilleure amie. Il n'y a pas d'autre explication à ça. La dernière fois, Zach se vantait au sujet de sa chambre. <laughs> Comme ça, il peut prendre soin de cet enfant. Et maintenant, ceci. Ah, il m'achète des dessous. Je suis tellement déçue de Zach et j'ai honte de moi. C'est ce que je reçois pour avoir été là, pour un ami dans le besoin. Il est clair que ma présence dans cette maison n'est plus nécessaire. Hmm. Salut, Béni. Ta journée. Mon garçon. Hmm? Hmm. Hmm? Bienvenue. Merci. Tu as des explications à me donner. À propos de quoi? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ce sont des cadeaux innocents. Tu appelles un slip un cadeau innocent? Je suis tellement déçue de toi. Je t'ai pris comme le vrai que je n'ai pas eu. J'ai partagé mes secrets avec toi. J'avais confiance en toi. Je voulais juste aider un ami dans le besoin. C'est ce que je reçois en retour. Tu n'aurais pas dû. Tu veux coucher avec moi Non, 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 Benita. Euh, écoute, je te le jure. Je voulais juste te remercier. Chut, juste arrête ça. J'ai remarqué que ton regard était étrange ces derniers temps, mais je pensais que c'était le fruit de mon imagination. Mais oh que non, tu veux... Attends, c'est ce que tu as toujours voulu, répondre. moi Benita, non, 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 fais pas ça, s'il te plaît. Les hommes sont tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Pas du tout. Tu n'es pas différent de tous les autres. C'est bon. Je pense avoir suffisamment aidé, n'est-ce pas Je pars demain matin. Oui. Je ne ferai pas ça parce que si tu insistes, je t'enverrai la police et je t'accuserai de viol. Ardure. Oh Dieu. Ne sais même pas. Ne sais pas. Benita, s'il te plaît, écoute-moi. Ça n'a jamais été dans mon intention de prendre notre relation pour acquise. Je t'en prie, je. Je suis désolé, je. Écoute, Benita, ce n'est pas ce que tu penses. Benita! Alex, Alex, ton plan démoniaque s'est retourné contre moi. Benita a vu les cadeaux et l'a piqué une crise. Elle est devenue dingue. Elle s'est enfermée dans sa chambre et a menacé de partir demain dès la première heure. Clinton, tu me dois du respect. Tu ne peux pas continuer à me traiter comme de la merde. Quel genre d'homme es-tu? Écoute-moi, Sandra, je te dis que je te donnerai du respect quand moi j'en aurais envie. Est-ce que tu comprends? Je t'ai donné la somme de 12 millions de Naira. Et là, je te demande juste 3 millions de Naira, car c'est mon argent. Et tu me dis que tu dois contrôler mon mode de vie. Quel genre d'homme es-tu? Clinton, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Tu me la Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu penses que je suis ton Zach? que tu peux chiffonner et manipuler à ta guise. Si jamais tu essaies encore de lever la main sur moi, écoute-moi très bien et je te mettrai dans un état que tu ne vas pas apprécier. Est-ce que tu as compris, espèce de Et Idiot. Pourquoi Écoute-moi très bien, je ne te donnerai pas le moindre centième de cet argent. Benita, s'il te plaît, s'il te plaît, Benita, écoute, écoute-moi, s'il te plaît. Te plaît Attends, écoute, s'il te plaît, retourne dans ta chambre. Oui, vas-y. Benita, je suis désolé. Je sais, je, je. Tout ça, c'est de ma faute. D'accord, s'il te plaît, Benita, c'est moi qui ai fondé cette idée. Et Isaac n'était même pas d'accord. Je suis désolé, Benita. S'il te plaît. Benita. Ouh. S'il te plaît, pardonne-les. Je sais que ce qu'ils ont fait était mal. Mais pour l'amour de cet enfant... Pardonne juste Zach et Alex. Exactement. Et ne l'oublie pas. Zach t'aime énormément. Oui. Mon mari ne cesse de le chanter dans mes oreilles chaque jour qui passe. Zach t'aime vraiment. S'il te plaît, pardonne-lui. Je t'en prie. Mais regarde-le. Hum. T'es sûr que ça va marcher Calme-toi. Ça va aller. <laughs> Tiens ceci. Mets-le à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as ah. Cher Sandra, essaye, comprends que tous les deux nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Un bateau ne peut pas avoir deux capitaines. C'est dans ta nature de manipuler les hommes et c'est également dans ma nature de manipuler les femmes. Donc, ça n'aurait pas pu marcher. Un homme comme Zach aurait été le meilleur pour toi. Car il était toujours prêt à se faire manipuler par toi. Hey. Bref, je t'emprunte les 12 millions que tu as déposés dans mon compte. Ça me permettra de m'installer au Canada avec mon bébé. Ah! Hey. Ça ne peut pas être vrai ou? <laughs> tout l'argent! <laughs> ne m'a pas donné un centime de mon argent <laughs> Tout l'argent que j'avais <laughs> Calme-toi, Sandra. Arrête de pleurer. <laughs> <laughs> Allô Allô, Zach Comment vous allez et les bébés Vous me manquez tellement, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, Sandra <laughs> Encore Sandra. Sandra. <laughs> Zach, il faut qu'on parle. Écoute, Sandra. Il n'y a pas de « nous ». Et nous n'avons rien à nous dire. C'est toi qui m'as conseillé de faire quelque chose de ma misérable vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu es également passé à autre chose, alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu me dis que je te manque. Tu, tu demandes des nouvelles, des nouvelles du bébé. Quel bébé Celui que tu as abandonné Je sais que tu as tous les trois d'être en colère contre moi. Et je t'en supplie, donne-moi une deuxième chance. Sandra, c'est terminé entre nous. Il n'y a pas de deuxième chance. D'accord Je vais raccrocher maintenant. Ah, non, Zach, ne raccroche pas. <laughs> Qu'est-ce qu'elle veut vraiment Encore Sandra. <laughs> c'est terrible. Elle pense qu'elle peut entrer et sortir de ma vie. Comme ça lui chante. C'est l'être humain le plus perfide que j'ai jamais rencontré. S'il vous plaît, continuons de manger. Malo Zach, comme ça c'est arrivé au niveau où tu ne veux plus prendre mes sapins Si j'ai bonne mémoire. Lorsque tu nous as abandonné le bébé et moi, je t'ai appelé plus de 50 fois, mais tu n'as jamais décroché le téléphone. Peut-être est-il temps que tu me dises ce que tu as sur le cœur. Fais vite, je suis un homme occupé. Que veux-tu Très bien. Je vais aller droit au but. Je veux avoir la garde de mon bébé. Tu n'es pas sérieuse, là, Sandra. Toi et moi savons bien que tu n'es pas faite pour être mère. Tu ne mérites même pas ce nom. D'accord Il est hors de question que je laisse mon bébé à une femme sans cœur et... Notre bébé, tu veux dire N'oublie pas que je suis la mère biologique de cet homme. Quoi qu'elle... Qu'est-ce qu'elle dit Elle veut avoir la garde du bébé et elle veut également une pension alimentaire d'un million de naira par mois. Elle est folle Tu, tu penses qu'elle bluffe Peut-être. Mais elle avait l'air très sérieuse au téléphone. Et euh, elle a menacé de me traîner en justice si je refuse de la soudoyer. Il est hors de question que je laisse mon bébé à cette femme perfide et sans cœur. Hors de question. Pourquoi ne trouves-tu pas un moyen de la faire enfermer Et cette affaire de justice, je n'aime pas ça du tout. P Pensez, s'il te plaît. <laughs> Crois-moi, il n'est pas possible de raisonner son drap. Alors, que comptes-tu faire Je vais la battre à son propre jeu. Elle verra mon côté obscur. Sais-tu que cette espèce d'idiot est sur le point d'épouser sa soi-disant meilleure amie Zach, il faut qu'on parle. Hum? Coucou, s'te mon S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne le réveille pas. Ah, ok. Benita, mm -hmm. <laughs> merci d'avoir été là pour mon bébé. Et mon mari comme tu peux le voir, je suis de retour. S'il te plaît, peux-tu nous excuser? Sandra, qu'est-ce que tu veux? Bébé, j'aimerais que tout ça s'arrête. Ton ami Benita a été d'une grande aide. S'il te plaît. Pour ton information, Benita va te foutre à la porte maintenant. C'est toi l'intruse ici. Attends, Zach. Qu'entends-tu par là? Benita est ma femme. <laughs> ah, bébé. Tu plaisantes ou alors? Dis-moi que tu blagues. Benita est supposée être ta bestie. Attends une minute. Avez-vous une liaison sous mon nez? Zach! Sandra, non. Non, 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 non. Sandra, comme ça, vous baissez ensemble Mais tu, s'il sais, te plaît, arrêtez ça. Tout ce que tu dis n'est pas vrai. C'est Benita, s'il te plaît. Te plaît. Oh. Ne prête pas attention à elle. Tu ne lui dois aucune explication. Absolument aucune. Dis-moi exactement pourquoi tu es là et pars immédiatement. Ok. Bébé. Tu sais que t'es à moi. T'es à moi, Zach. Fais gaffe. Et t'es à moi toute seule. Reste loin ah. de moi. Ne dis pas ça. C'est elle l'intrusie. elle doit partir. Sors de ma maison. Zach. Sors d'ici maintenant. Ah. Ok, très bien. Si tu veux que je parte, je m'en irai. Mais je partirai avec mon bébé. N'ose même Quoi? pas. Sors d'ici. Tu veux partir avec ton bébé, le bébé que t'as abandonné? Sors de chez moi tout de suite! Ok. Si tu lui dis, je m'en vais. Ne me touche pas. <laughs> je reviendrai. Et de surcroît, il prévoit de se marier à l'église. que c'est triste, mais ma puce t'as laissé Z, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as quitté. Je t'avais prévenu, je l'ai fait. Zach est un homme riche et recommandable. Le rêve de toute femme. Nos copines seraient prêtes à s'entretuer juste pour garder Zach, plus précisément maintenant, en ce moment où la situation va de mal en pire. Tu l'as quitté. Oh, Penny, ce n'est plus le moment de me faire des reproches. Dis à ta bestie ce qu'elle doit faire. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Sandra, si je peux me le permettre. Pourquoi veux-tu rentrer chez Zack Est-ce parce que tu l'aimes Ou alors parce que tu veux juste son argent Un <laughs> peu hein? Parfois, quand tu poses des questions, j'ai l'impression que la cigarette est remplie dans ta noix de coco. C'est quoi ces questions, idiotes C'est clair que tu as déjà la réponse à tes questions. Non Je les aime autoritaires. J'aime les hommes autoritaires. J'aime quand mon homme me domine. Tu sais que j'aime pas les hommes légumes. Ma puce, c'est l'argent de Zach que je veux. Il y a le temps pour ces, ces histoires de mari. Mais tu peux toujours avoir cet argent. Pas besoin de retourner chez Zach. Tu peux toujours lui en soutirer, n'est-ce pas? Je me trompe. <laughs> je ne comprends pas. Ok, je t'explique. Tu m'expliques, T'as un enfant avec lui, n'est-ce pas mm -hmm. T'es la mère biologique de cet enfant, et c'est un garçon en plus. Dis-lui que t'as besoin de ton fils. Tu peux le menacer de reprendre ton fils. Et aussi le menacer que tu le traîneras en justice s'il refuse de te donner ton fils. Espérez qu'il n'aimerait pas qu'il n'aimerait pas ça. Et si vous allez en justice, tu gagneras l'affaire. Alors vous signerez un accord qui stipulera que t'as besoin environ de... d'argent Euh... 500 000 par mois, tu vois. Alors, hum, soutire-lui de l'argent. Wow! C'est pour ça que je t'appelle ma meilleure. Que ferais-je sans toi? Pépus! Et un génie. Je sais. Toute la ruse est dans ta noix de coco. Oui, hey! c'est ça. <laughs> c'est maintenant que tu le reconnais. C'est la meilleure chose à faire. Ça veut dire que. J'utiliserai mon bébé, bien sûr. J'utiliserai mon mat de pour escroquer de l'argent à sac par mois. <laughs> Et quand l'argent va entrer, tous les mois, comme pension alimentaire, jusqu'à ce que mon bébé ait 15 ans. Waouh! Une fois que tu toucheras cet argent, garde ma part. Sandra, garde ma part. Au moins 100 000 doit entrer dans mon compte. Grâce à ça, je n'aurais pas besoin d'aller dans la rue. Et je n'aurais plus besoin de me tenir en route à notre carrefour. Hein? Les clients sont chiants. Tu ne sais pas comment les clients me traitent. Si tu les voyais, d'autres t'appuient. D'autres veulent te prendre par les sentiments. Leurs histoires d'amour et tout ce qui va avec. Sandra, garde ma parole. Ma puce, ça ne marchera pas. Je n'ai pas de problème de mari. Et c'est pour moi le moment de profiter de ma fille au max. C'est ça même. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut la carte du bébé. Et un million de naira de pension alimentaire. Mais dis-moi quel genre de femme demande une telle somme? Eh bien, elle était très sérieuse. Et la Sandra que je connais finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Pas bah, si tu la traînes en justice, elle perdra assurément. Elle n'a pas été une bonne mère pour le bébé. Et comment le prouver devant la cour Je n'ai ni vidéo ni audio pour étayer mes accusations. Mais tous les deux, nous savons que Sandra ne peut pas bien prendre soin de cet enfant comme toi. Si elle veut de l'argent, pourquoi ne pas avoir une assise avec elle Achète-la, cette femme sera partante. Et là, tu en auras fini avec le stress et les histoires du tribunal. Et le problème sera résolu. Tu me manques, mon chéri. Et tu sais combien je t'aime. Mon amour, s'il te plaît. Donne-moi juste une deuxième chance. Je ne te parlerai plus jamais n'importe comment. Je suis vraiment désolée de la façon dont je vous ai laissé. Je ne suis plus cette marionnette. Que tu as connu avant. Tu sais quoi? J'ai trouvé le vrai amour, et je compte bien m'y accrocher. Toi et moi savons très bien que pas un seul jour de ta vie tu ne m'as aimé. Je n'étais rien d'autre que ta machine à seau. Alors arrête de raconter ces conneries et va droit au but. Sois franchi à l'endroit à l'affaire du jour. L'affaire du jour? Oui. Et c'est quoi l'affaire du jour Te dédommager. Je veux te donner de l'argent pour que tu nous foutes la paix à ma famille et à moi. Je sais que ce bébé est également le tient puisque tu es sa mère biologique. Mais tu n'auras pas la garde de ce bébé tant qu'il ne pourra pas prendre ses propres décisions. Toi et moi savons que ce n'est pas ce bébé qui t'intéresse. <laughs> ok. Tu sembles comprendre. Mon langage. Alors, passons à l'affaire du jour. Combien as-tu en tête 5 millions de Naira. Oh, allez, Zach Tu ne peux pas me duper avec ton air modeste. Tu pèses plus de 100 millions de Naira. Ah 15 millions de Naira feront l'affaire. Tu es la femme la plus cupide que je connaisse, Sandra. Tu n'auras pas un seul centime de plus. Je te paierai 7 millions de Naira, pas plus. <laughs> Zach, détrompe-toi, 10 millions de Naira ou rien. Sandra, donne-moi ton numéro de compte bancaire et je te transférerai 8 millions de Naira. Et on n'en parle plus jamais. <laughs> je constate que tu n'es pas prêt pour les affaires. C'est soit tu me payes 15 millions de naira et on n'en parle plus. Soit tu auras des nouvelles de mon avocat. <laughs> tu ne diras pas que je n'ai pas essayé. Hein? J'aurais essayé. Rassure-toi que tu ne le regretteras pas. Reste chez-y, Zach. Oh, dire on se verra au tribunal. Oh, dire. Bébé, ne penses-tu pas que c'est mieux que nous la supplions? Alex m'a également conseillé de le faire et je pense qu'il a raison. Sandra excelle dans l'art du chantage. Mmh. Les maîtres chanteurs sont de grands tricheurs. Ils en demandent toujours plus jusqu'à la ruine de leurs victimes. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons la prendre au mot. Vraiment? Oui, soit elle marche, soit elle va en justice. Et si elle va en justice, on s'en tiendra à la décision de la cour. J'espère juste que ça marchera. Par la grâce de Dieu, ça marchera. Terima kasih telah menonton! Maître, je sais que vous essayez vraiment. Mais n'y a-t-il rien que vous et le juges puissiez faire pour trancher mmh. cette affaire? Car je perds, je, je suis en train de perdre patience. J'ai besoin d'argent. Vous ne devez pas perdre patience. C'est juste la procédure normale du tribunal. Vous comprenez? Quand j'observe les choses, elles sont en votre faveur. Vous allez gagner. Rien ne pourra empêcher cela. Je sais qu'ils viendront dire que vous n'avez pas été une bonne mère pour votre enfant. Mais le fait que on ne peut pas nier le lien entre un enfant et sa mère. C'est impossible. Vous comprenez? Alors détendez-vous. Le tribunal ne sera pas dépendant ou ne jugera ce cas en se basant sur les ondits. Cha-cha-cha. La cour jugera ce cas en se basant sur les faits. De vrais faits. <laughs> Et je suis sûr qu'ils ne les ont pas. Je sais ce que je vous dis. Je suis le maître, comme on l'a fait. Okoro Didier, je ne perds jamais une affaire. <laughs> si j'étais vous, je serais rentré, priez Dieu. Vous rentrez, vous ouvrez une bonne bière glacée. Pas une bière chaude. Si le sommeil vous emporte, dormez sur place. <laughs> Parce que c'est déjà gagné d'avance. <laughs> ok, maître. Si vous Bien sûr dites. que je le dis, c'est ça. Écoutez, nous devons plutôt parler de certains... Problème au sens figuré. Des problèmes plus importants, hein? Tu as promis de venir chez moi la semaine dernière. Mais tu m'as plaqué, ce n'est pas juste. <laughs> maître, maître. En fait, venir chez toi n'est pas un problème. Alors, c'est quoi le problème? Tu sais, vous les avocats, vous êtes très radins. Ah. Oui. Ah. Ou alors, n'est-ce pas moi qui te paye pour ce cas? Ah. De plus, tu dis que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment à l'heure, pourquoi je paye pour ce cas? Sandra, hein? laisse-moi te surprendre. Et si je te transférais 100 000 Naira maintenant, allons-nous <laughs> le faire? Toi, hein? maître, mon fils. Envoie-moi ton numéro de compte bancaire. <laughs> D'accord, attendons voir. Double zéro. Mm -hmm. Huit sept. Sept sept. Mm hm. Cinq neuf. Mm banque. Banque. Euh, je t'ai transféré 100 000. Je te l'ai envoyé. Tu peux vérifier. <laughs> ouais. ah je t'avais prévenu. Voilà, je l'ai fait. <laughs> ne parlons. <laughs> ne parlons pas. <laughs> wow. C'est vrai, oh. <laughs> Écoute, ne t'en fais pas. Hein. Je vais te le mettre bien <laughs> pour, pour Bébé Sandy. Hey. Dans ce cas, t'as pas à t'en faire, ok? Bébé Sandy. Je m'occuperai personnellement je te fais de fais Maître, je ne vous paie pas autant d'argent pour que vous fassiez de votre mieux. Je vous paie pour gagner cette affaire. Je dois gagner cette affaire. Je ne peux pas perdre la garde de mon fils au profit de cette femme. Cette femme n'est pas intéressée par cet enfant. Elle l'utilise juste pour avoir mon argent. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent, l'argent, l'argent. Je peux comprendre votre frustration, monsieur. Mais je ne peux gagner qu'avec les preuves mises à ma disposition. Nous n'avons pas d'audio, pour ainsi dire, ou des preuves écrites pour prouver à la cour qu'elle n'est pas faite pour être mère. Essayez-vous si de me dire que je dois laisser mon bébé à cette femme. Ce que j'essaye de vous dire, monsieur, c'est que, en allant la semaine prochaine au tribunal pour la revendication en tant que plaignant, nous devons avoir assez de preuves en notre possession pour augmenter nos chances de gagner. Et je vous ai déjà dit des millions de fois que je ne les ai pas! Mais que s'est-il passé au juste Les saletés de preuves qui ont amené cette idée au tribunal ont retourné toute affaire contre moi. Mais attends, qu'en est-il de ton <tousse> avocat Qu'est-ce qu'il a fait à propos Je croyais qu'il disait aimer. Alors pourquoi ne trouve-t-il pas le moyen d'arranger ça Probablement corrompre les juges ou autre chose. Je lui ai suggéré de le faire. Mais il dit que le procureur n'est pas un corrompu. En et il n'y a aucun moyen de faire ça. Meuf, si je perds cette affaire, <laughs> je m'assurerai d'en finir avec cet abruti de Dogola. Je ferai en sorte d'avoir sa tête sur un plateau. Il ne s'en tirera pas. Sérieusement, Sandra, vu le cours des choses, je pense que tu finiras par tout perdre. Trouve un moyen de dire à Zach de te donner les 8 millions qu'il t'a promis et demande à ton avocat de laisser l'affaire. Billy, ça va marcher, tu crois C'est des maths, mais faut voir si ça marche. C'est seulement chat qui paye à mettre mes mains sur ces 8 millions de naira maintenant. <laughs> Je m'assurerai de rendre une visite à Clinton. Euh, mais meuf, attends. Une fois que tu auras ces 8 millions de naira, ne m'oublie pas. Oh. Au moins, tu pourras me faire un transfert. Hein? Tu sais, non hum. Réfléchis-y. Meuf, l'argent a-t-il déjà été un problème en nous Non, ça n'a jamais été un problème. Ce qui est à toi est à moi, je suis là pour toi. Ah, enfin <laughs> Dogo-dogo. 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 Mais attends, ne touche Attends. Félicitations, monsieur. Ne <laughs> touche pas, pauvre imbécile. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Vous voyez, tôt. maître. Félicitations. félicitations. Très bon boulot, maître. Peuple <laughs> là. Félicitations. Dogo. Dogo-dogo. <laughs> <laughs> <Mais> félicitations, <laughs> je te l'avais dit. Dogo, c'est bon, je vais t'aider. Merci monsieur. <laughs> Vas-y Tobla. D'accord. Merci monsieur. C'est... <laughs> c'est très sérieux ça. On est arrivé monsieur. Bienvenue. Comment as-tu pu trouver de telles preuves Monsieur, c'est Dieu. Vas-y, bébé. Écoute, pour ce que tu as fait, je vais te donner 500 000 Naira. Dogo. Dogo. <laughs> Merci, monsieur. Merci. Tu mérites bien plus que ça. Merci, tu as changé Merci, ma vie. Monsieur. Que Dieu te bénisse. bénisse Mec, tu as vu ça? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur. Tu m'as <laughs> sauvé la mise. Merci, Merci infiniment. <laughs> je te suis vraiment reconnaissant. Hey. <laughs> Mon frère, ne m'oublie pas. Oh. Dogo, ah, quand je suis arrivé ici, j'ignorais que tu étais utile comme ça. Oh. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ah, vraiment l'œuvre de Dieu. Je te jure. Ah, Dogo, mais ne m'oublie pas dans ton royaume, d'accord? Va-t'en, dégage. Sandra, dis pas que je t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu, parce que je te parle comme une amie. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu, en tout cas, c'est ta vie, ma puce. T'es libre de la mener comme tu veux, mais ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Oui. Sois sage, cet homme, c'est un gros C'est bon, peu importe. Viens-toi d'où tu viens, et c'est ton choix, en tout cas, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. vais voir quelqu'un <laughs> ce soir. Ah, Sandra. Tu dois arrêter de pleurer. Plutôt, ressaisis-toi et retournons dans la rue. Et aussi, tu dois dire adieu à cette vie de luxe. Ok? Donc, pleurer ne sert à rien. Tu es si dur. Alors, Bénit, tu voudrais que je retourne dans la... Prostitution, des filles, de passes tâche. T'as le choix. Est-ce que t'as le choix T'as eu toutes les occasions pour mener une vie décente et une meilleure vie, mais non. Mais t'as tout fichu en l'air à cause de ta stupidité pour un très beau gosse. Un mec viril, grand oh. regarde où ça t'a mené. Écoute, écoute, écoute. Tu devrais arrêter de vivre dans le passé. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu voudrais qu'on faim Quand on a une entreprise à faire tourner, on doit bosser. Va t'habiller et qu'on aille dans la rue. Sandra, je t'avais prévenu, Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as jamais écoutée. Et moi, je ne peux pas te prendre en charge. Ça fait plus d'un mois que tu vis chez moi. Neuf, j'ai fait de mon mieux. Alors, va te battre, parce que je t'ai prévenu, Je t'avais prévenu. Oh, si Sandra, t'es encore là? Sandra, va t'habiller. C'est quoi ton problème? T'as vu l'heure? Pourquoi tu fais ça? Tu comptes faire ça toute la journée? Ne t'avais-je pas prévenu? Ma chérie, va t'habiller. Ah, je t'avais prévenu. Tu voulais en autorité. Regarde où ça t'a mené. Ah, va t'habiller, pardon. Sandra, désolé, Ma puce, hein? Ma chérie, ça va aller. T'inquiète pas. Hein Sois tranquille, t'auras de bons clients. Hé, hey, ma chérie, es une belle femme. Tu as dit avoir une surprise pour moi. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est Tu sais que je n'aime pas les surprises. Oh, tu ferais mieux de commencer à t'y habituer. Ok, tant que c'est toi l'auteur de la surprise. <laughs> ma chérie, comment tu vas Je vais bien. Et mon prince, comment il va <laughs> As-tu hey. mangé Oui. T'es sûre Oui. Et lui, il a bien mangé Oui. Ok, allez dans la chambre. À plus tard. Je vais parler à mon mari. Ouais, Je évidemment. dois lui parler. Et donc tu dis que tu n'aimes pas les surprises Donc mmh. les surprises viennent de toi, ça ne me pose aucun problème. Mmh, mmh, mmh. Dada. Mmh.

Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.